pas de colonisation, mais on a un sujet qui intéresse le peuple à nous, et il faut nous parler de tout. À chaque conférence, c'est la question de sécurité qui a besoin, mais malheureusement, il y a vivre dans le climat et sécurité. Dans toute conférence, nous faisons la peine de ceci depuis septembre, de nous passer à Goa. Je répète que l'insécurité a ses banditismes d'État. Semaine ça, nous voyons encore une fois banditismes d'État. Côté que, premièrement, bord de paix, ça m'a montré. Alors, on dit, Zam, il y a bord de paix, c'est tiré cela. Antipathie. Il y a plus d'âmes qui nous ont trouvé. Et heureusement, il y a eu un peu ça. Et malgré aucun bel, il y a eu un peu de l'autre âme qui a pris. Mais si nous basons, nous, comme on a parlé, nous basons sur le rapport. Si nous basons sur le rapport de CPJA, le CPJA dit clairement dans le rapport là, que les âmes sont dessinées avec autorité. Comment on comprend dans une situation comme ça? Toutes âmes sont. Environ 130 000 cartouches. Tout fusil à sous sac. Les CPJ dit non rapport. Et pourtant, des tergiversations en fait. Hein, pour le joint d'autorité, il y a passé à côté. C'est parce que l'État est rentré dans la question de commander des armes pour bandit, alors que il n'y a pas qu'à commander des armes pour la police. Mais pour qui ça nous met en peine? Le premier ministre a dit que la sécurité est un détail. Nous avons dit que nous ne parce que s'il dit ça, c'est qu'il a géré la sécurité avec le bandit. Ça, c'est un bon exemple, question de bord de mer. Et vous avez essayé de casser les feuilles pour ça, pour que vous coulez les bagages là, et puis l'autre bateau continue à porter ça. Donc, nous avons côté pour voir la situation. Deuxième bagage, les armes qui ont rentré, vous avez dit que l'église est épiscopale. Justement, l'église a dit qu'on utilise non. Mais qui est-ce? Côté des âmes sont dans la vie. Le 10 âmes sont dans la salle de côté de la vie. Pour qui est-ce que vous avez l'impression qu'il a essayé encore de couvrir ça. Et tout le monde connaît. Je dis à 9 mm, l'autorus. Si je dis à l'alba, il y a 4 touches, il va avoir rien. Et l'État a compté ça tout. Et puis, je continue à m'alimenter. Dans l'année ça, de septembre à nos jours, il y a 10 fois que je viens de 10 fois. Que ce soit dans le port de Saint-Marc, port de paix, port au Prince, au Cap. Eh bien, combien vous y allez? Pour des âmes. Donc, ça veut dire que maintenant, qui situation nous y est, peut-être ça, tout le monde peut comprendre de nous parler de banditisme d'État. Et c'est sa peine de dénoncer. Nous disons qu'ils sont banditisme d'État, fort. L'État coupé fâché avec bandit, on ne peut pas mettre ça. Et ça fait nous un climat ça. Et ça fait le peuple à privilégier. Il faut nous dire, mais pour qui ça nous a un État ça, c'est justement le monde qui a gouverné, qui a associé avec bandit. Il m'a donné un autre exemple. On regarde dans la Tibonie. Nous te dit, dans la peine, il faut qu'il y ait une opération anti-gang qui fait. Nous présentons des plans dans la peine. Nous écrivons le premier ministre Ariel, il dit que les gens ne parlent pas. On est la Tibonie, tu es un bandit qui est dans la croix de police. Opération faite, où j'aime donner de bandit ça encore. Parce que là, opération faite, heureusement, la police a arrivé à faire opération éclair sans pas avertir les autorités et puis éliminer. Je ne vais pas être avec les bandits. Nous connaissons opération faite hier soir dans la zone Tibois, pour abriter au monde. Madame, Tibadon. Nous connaissons bandit au courrier qui est de la police de l'Ibé. Parce que le ça, ni dans le gouvernement, ni dans l'autre monde, il n'y a pas au courant, il n'y a pas qu'à avertir les bandits. Nous connaissons que le recommandé directeur général là, voyons blindé dans le Cafou Pay, ouvert commissariat, eh bien, il y a fait la population Paris pour la demande. C'est justement la question ça qui montre que dans la situation, il y a le cas résoudre, mais l'homme est au gouvernement qui mettait. Pour faire ça, maintenant. Qui a l'information, on va le faire, l'opération, on va le faire. Les gens sont au courant. Ou bien dans la police, il y a des gens qui sont infiltrés. Là, pour être bagaille ça, n'importe qui ça, il y a des gens qui sont bouqués à bagaille ça. Et que, justement, il y a des gens qui veulent l'élection là-dedans,
Parce que Dieu voulait faire nos bouquets pour que nous acceptions n'importe qui bagaille. Et nous allons prendre. Et peut-être ça dans la peine nous dit. Question qu'à résoudre. Question qu'à résoudre. Parce que les bandits ont pris un petit bois d'homme. Ils ont monté sur la route là avec fusil. Ils n'ont pas bien armé que la police. La police voulait, ils ont fait. Donc ça a fait tout. Je ne vais pas occuper le monde qui a dit justement qu'il y a des zones, il y a des bandits, il y a des zones, il y a fait élection, il y a voulu utiliser les bandits pour l'élection. Et c'est vrai que ça n'a peine nous dit. Mobilisation que nous avons lancée, nous avons accueilli favorablement, appel justement ma considération, c'est l'appel Kato, qui dit qu'on est arrivé, il faut nous venir sous béton. Nous avons une peine sous béton pour nous travailler ensemble. Nous avons accueilli appel en pilote groupe qui a fini, parce que je dis que c'est le peuple seul qui a fait pression. Nous, les Américains, besoin de théoristes qui mettent en pile pour l'Europe, de éliminer. Nous-mêmes, il y a des gens qui viennent. Protocole d'entente nationale en paix. Edouard. A remercier tout le monde qui est présent ce matin. À conférence que nous, dirigeants Pagnon, à Paris. C'est une conférence qui va parler de la situation globale du pays. Et qui côté nous sortit, qui côté nous est aujourd'hui. Hein? Et tout ça que nous faisons en tant que citoyens responsables, mais aussi en tant que responsables de partis politiques, responsables d'organisation, nous, chaque jour, nous regardons comment le pays a rentré dans le trou avec toute population haïtienne. Je dis, c'est important pour nous parler avec la population. Moi, vraiment, je voudrais et nous profiter de saluer toute population haïtienne non? Et qui a besoin des conférences. Nous, très conscients de la situation haïtienne. Ce n'est pas pour rien que nous-mêmes, on t'appelle. Nous te gardons effectivement, nous songer à faire encore en septembre. Nous te recevons la pour aller. Orientation, dans le sens changer vie population. Et nous te dit que nous maintenant quand nous regardons, nous baillons mon temps, nous regardons qui ça a fait. Un an passé. Un an. Bien sûr, à un moment donné, pour la consommation internationale. Chef gouvernement dit qu'il voulait faire négociation. Nous-mêmes, nous sommes toujours à travail auprès de la population. Nous venons au consensus avec Montana. Le chef gouvernement dit qu'il voulait faire négociation pour que nous arrivions à quelque chose. Tout le monde connaît la position de peine. Je dis à la maison, nous croyons que même les gens disent toute institution démocratique. Toute institution républicaine nous crase dans le pays. Nous n'avons pas de parlement, nous n'avons pas de justice, pas de présidence, pas de rien. Mais nous disons qu'il faut nous mettre avec l'esprit constitution. Et ça, c'est important. Parce que nous sommes loin de nous arriver là aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables d'un revers demain. Et puis, dit, nous parlons de l'international là qui prend nous comme des rats de laboratoire. Et puis, ils ont décidé. Ils voulaient mettre au gouvernement grand soulier. On te dit que ça ne va pas résoudre. Et je dis, nous tous constatons, au lieu que ça va résoudre, nous plonger le pays à nous, que nous ne pouvons jamais, que nous ne pouvons jamais prendre dans le pays d'Haïti. Quand ils ont multiplié dans tous les raccoins de ce pays, ils ont kidnappé les femmes, ils ont kidnappé les timons, ils ont kidnappé les pères d'église, ils ont kidnappé les pasteurs. Donc, de la fête de moralité presque d'ailleurs ça nous dit. Mais malheureusement, nous n'avons pas cité tout ça au gouvernement qui n'a jamais dit non, non, pas jamais dit, pas jamais dit cric. Mais dans quelle situation le pays est arrivé aujourd'hui? Massacre, grand chômage. Nous-mêmes, non, peine. Nous sommes des responsables. Et nous prenons responsabilité. Nous disons que nous sommes des démocrates. Comme Dr. Ariel Henry, chef gouvernement, dit que l'Ivre fait une négociation. Il fait un paquet à aller tourner. Kay, Madame Komodeni, il montait, nous était déjà monté nous-mêmes
commission de négociation, ils ont monté la commission de négociation, ça y est, pas eux. Mais tout pour nous, qui ont commission qu'on a monté, nous comprenons ce qu'on va faire à l'autre côté. Mais nous devons monter bonne foi. Malgré nous-mêmes, nous assurons que nous mettons deux biens dans la tête. Nous sommes des démocrates, nous disons, nous allons regarder jusqu'au côté privé, est-ce que c'est vrai? Mais nous aimons votre prétendant. Nous te disons nous-mêmes, nous croyons dans la mobilisation, nous poursuivons la mobilisation. Et nous tous, nous conscients que, ouais, que nous allons aller naïve, nous allons aller Hench, nous allons dans les cailles, ensuite nous allons dans le Nord. Et nous disons que nous rassemblons les forces, nous, ça fait que nous disons, quel que soit côté mobilisation après, depuis son mobilisation pacifique, ben, nous avons elle. Et nous allons tout le monde peigne. Partisans, sympathisants, peignons, côté en mobilisation à faire, répondre présent. Parce que nous sommes des démocrates, nous croyons que le pays ne va pas continuer dans l'établir. Donc, je dis, c'est ça fait que nous relèvons, nous, pour nous dire, nous, qui côté nous y est, population a besoin de connaître, qui côté peine. Nous sommes toujours dans la mobilisation, nous, et c'est ça fait que nous sommes initiés, nous avons lancé la mobilisation, nous avons dit, nous avons fait un appel. Citoyens, citoyens conséquents, je dis, nous pas de droit pour quitter la population, pour porter la salier là. Et bien, je dis, nous connaissons que, nous-mêmes, nous sommes toujours well, mais nous devons tester bonne foi pour voir ça. Négociation, nous n'avons pas de côté, nous même encore, nous mettons fait à la négociation. C'est eux qui mais nous, ils font tout. Nous comprenons que nous campons parce que nous n'avons jamais de volonté, nous n'avons jamais de l'autre côté. C'est des gens qui ont essayé d'être des têtes. Il n'y a pas à l'écoute de problèmes de situation. Pour le gouvernement, ça, pour le premier ministre, tout est beau, tout est en place, tout est correct. Pas de problème pour nous. Pas d'insécurité. Bon, peut-être que des toits tirent quelque part, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il y a un boulevard devant eux. Pas de mission. Qui vous dit qu'on est pour qui le gouvernement, ça, là? Personne, hein? Qui est-ce qui a contrôlé les dépenses de l'État de ce gouvernement? Personne. Pas mon monde qui a dit, mais est-ce qu'il y a un budget? Comment est-ce que le budget est respecté? Comment ça fait? Nous ne connaissons pas. Qui paye qui a fonctionné comme ça? Bien sûr, si la communauté internationale a accepté les conditions, c'est parce qu'il y a des choses qui ont besoin de prendre un pays que vous connaissez. Ces conseils sont prêts à leur livrer le pays pour une bagatelle. C'est ça la problématique aujourd'hui. Et nous autres, comme haïtiens, comme responsables, nous ne pouvons pas tolérer ça. Donc, professeur, vous faites ça, bien sûr, que nous avons fait en protection. Et vous allez gagner tout de suite, camarade Serge Jean-Louis, qui même vous allez parler autour de la mobilisation que vous avez déjà lancée, que vous avez initiée, que vous avez sous déjà, autour de la poursuite de cette mobilisation. Et appel probablement pour tout notre secteur rentrer dans l'an et que pour nous avancer ensemble pour nous sortir du pays à nos alliés. Et bien sûr, nous allons gagner président AAA, sénateur Yuri Latortue, qui lui-même va parler nous autour de la problématique de sécurité, eux-mêmes qui sont experts en sécurité, qui va nous des chiffres et de problèmes. Bien sûr, il y a des bagailles que tu n'aimais pas là. Le problème que nous avons à faire, ça nous a rentré dans le pays. À la dernière conférence, on a demandé côté ZAM, ça nous a fait avec nous. Parce que sous prétexte que et l'armée n'a pas des armes, la police n'a pas des armes, tout ZAM, ça nous a fait encore. Je repose encore cette question. Qui ça a fini, qui ça a fait avec nous? Est-ce qu'on va utiliser pour la population? Merci beaucoup, camarade. Merci. Et on est salutation d'usage pour nous aider parce que nous sommes pour personne levé dans la boue. Nous saluons 100 000 camarades qui dans la presse là. Nous saluons le peuple haïtien qui nos tribulations. Il y a des années là-dedans. Mais depuis l'exécutif, monocéphale là. Monté, dirigé par le premier ministre Ariel Henry, composé, son gouvernement composé de 14 ministres, quelques secrétaires d'État, situation a été empirée.
saluer la communauté haïtienne qui vit à l'étranger. Le code lombriti est toujours marié avec le peuple haïtien. Dieu seul sait. Ce n'est pas un rôle déterminant. La communauté internationale a joué dans le monde. Il a joué dans nous. Trois cas de population d'Apoui, si c'est l'État d'Apoui. Manifester solidarité. Oui, quelqu'un chaîne. Condoléances par les familles qui sont victimes par l'insécurité d'État, l'insécurité généralisée. En hein? Général, nous toujours assimilés à une forme de terrorisme d'État. Nous voyons des solidarités par les gens latibonites qui, c'est même qui sont passés là, pour la vie qui fait 3 heures de temps et puis ça peut tomber. Eh bien, une bonne partie de la Tibonite de la Cléidonie, notamment la Caïmoué Machin de Salé. Pendant de nos périodes de mois d'août, il y a une inondation, mais rassurez-vous, les côtes du Yavéji. Elle m'a parlé, on dit qu'une question ça. Pendant la jeunesse, oui, David, nous devons qu'on travaille là. Ça nous a parlé. Il y a acheté un réacheur. Et je dis, il y a une inondation passée. Au niveau de la Tibonite, je vais dire quoi dire. Ça qui est grave là, pas qu'on vice délégué, pas qu'on délégué départemental, pas qu'on membre du gouvernement qui se manifeste solidarité avec la Tibonite. Je vais vous remercier spécial par différents représentants de l'organisation signataire des peines dans 4 convocations spéciales. Nous avons fait le 1er août là. Assemblée générale ici, hein, près de 60 de représentants qui participent dans la dernière assemblée. Hein, et il y a des paroles où Marie Jésus sont allés là, où elle va aller là, sénateur, où elle va aller là, pour faire partie des recommandations. On va être pour là dedans. Première recommandation, il dit, maintenant fait pour renouveler position. Sous question exécutif, bicéphale là, nous pas plaisir dessus. Et dans le débat, il y a un argument solide. Il dit, qui est ton président de facto constitutionnel? Il y a une prérogative qu'il y a, c'est convoquer le peuple en ses commis dans le cadre de l'organisation des élections libres et démocratiques. C'est pas président, pas aucune autorité qui a convoqué le peuple là pour aller à l'élection. Donc, mon exécutif monocéphale n'a pas qu'à faire ça. L'autre recommandation, je dis, c'est pour maintenant marcher contre avec différents acteurs qui sont en rendre compte. Mobilisation, ils sont bagarrés indispensables. Sous nos ensemble des problèmes, notamment la gouvernance pays. Il faut marcher contre les gens. Et puis, maintenant, faites-nous couler avec tout le monde. Pour nous reconstituer nation avec elle-même à travers nos nouvelles gouvernances. Alors, au pays où Haïti, nous toujours répétons, dans ce pays, ça a fonctionné là. Tu dois jouer mal.